Merde, je me suis trompée. Ah non. Excusez-moi parce que j'avais coupé la vidéo parce que et j'ai dit oh, j'ai dit un gros mot mais bon. C'est parce que j'avais fait arrêt et puis je reprends ma petite vidéo sur le hall Emmaüs parce que j'ai eu un j'avais quelqu'un qui revenait chez moi, voilà, et qui n'avait pas pris ses clés. Voilà, c'est pas grave. Donc nous voilà repartis. Donc ensuite, on était parti avec le hall Emmaüs. Donc ensuite, j'ai pris. Alors il y avait ceci. Voilà. J'ai trouvé tout ceci. Alors, ben, naturellement, ben, j'ai sauté dessus. Hein. Je n'allais pas le laisser. Regardez-moi ça. Comment c'est joli. Alors, je peux le laisser comme ça ou faire des découpes. Hein. Naturellement. J'en ai assez pour faire des découpes. Découper les petits trucs là et récupérer les petites fleurs là. Ça, c'est pas mal. Je peux même récupérer la bordure. Je peux faire pas mal de petites choses là, avec ça. Donc là, j'étais contente. Et croyez-moi, j'en ai pas mal. Donc je suis trop contente. Pour 6 euros, franchement, ça valait le coup. Après, j'ai pris des morceaux de tissu comme ceci. Donc je vous dis pas non plus la grandeur qu'il y a. C'est impeccable. J'en ai pris des différentes couleurs comme ceci et différentes matières. Faut pas que ce soit trop épais, etc. Il y a que celui-ci et celui-ci qui sont épais parce que c'est du des trucs anciens, du tissu ancien, c'est pour faire les transferts d'images. Donc j'ai trouvé ceci pour faire les transferts d'images aux Emmaüs. Donc j'étais très contente. Vous voyez, plusieurs couleurs et du blanc. Donc comme il me reste des petits transferts à faire que je vais finir de faire. Et franchement, pour faire des transferts comme ça d'images sur du tissu, c'est impeccable. Voilà. Donc j'y allais spécialement pour en fait pour chercher des trucs comme ça. Voilà, donc là j'ai de quoi faire. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé une petite bobinette comme ça. J'étais la seule, bah du coup j'ai sauté dessus. Voilà. Pour crocheter. Donc j'étais contente. J'ai trouvé ça aussi. Alors. J'en ai trouvé deux de chaque. J'ai cassé le petit truc, mais c'est pas grave. Hop, je viens le mettre au milieu. Donc là, vous avez deux comme ça. Alors, il y en a un qui est brillant et l'autre non. Regardez. Vous voyez? Et ça va faire joli, hein. Il y en avait deux. Bah, du coup, j'ai pris les deux. Voilà, on voit bien la différence. Vous avez vu? Voilà. Et j'ai trouvé trois petites serviettes comme ceci. Moi, je vais les détourner. Voilà. La couleur, bah, elle est trop belle. Voilà. Ça, pour détourner, ça va faire super. Donc j'en ai trouvé trois. Voilà. J'ai trouvé des petits bouts. Comme ceci, il est trop joli. Ça pour faire une décoration aussi, ben voilà quoi. Je trouve que la dentelle est belle. Donc voilà. J'ai trouvé ça. Ah, ben ça, elle a dû me le donner parce que ça, c'était pas prévu au programme. Donc ben, tant mieux pour moi. Voilà. Après, j'ai pris ceci, j'ai trouvé. Alors celui-là, ben, je peux récupérer ça, ces petits trucs-là, et je peux récupérer naturellement les petites fleurs ou le laisser comme ça et m'en servir. Voilà. Donc je verrai bien ce que je ferai avec. Voilà, ou peut-être une décoration que je ferai avec. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Et tout ça pour 6 euros. Oui, 6 euros. Oui, 6 euros. Oups, focus, please. Touloup. Voilà. J'ai trouvé ce petit boulot. Petite dentelle, elle est trop jolie. Pour faire une petite décoration sur quelque chose. Moi, je l'ai pris. J'ai trouvé ça pour découper. Donc, ça me fera 4 petits napperons. Voilà. Et j'ai trouvé plein de petits bouts comme ça. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi.
Voilà, mais j'ai pas hésité, je l'ai pris. Voilà. D'habitude, je trouve des autres morceaux, mais il y en avait une dame qui était juste avant moi, qui a passé avant moi, et elle a pris. Oh, elle avait tout un paquet. Comme ça. C'était le seul bout, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai trouvé plein de petits bouts qu'elle m'a fait cadeau. Alors, c'est des petits bouts comme ça. Donc, bien lavé, bien repassé. Ça fera la super dentelle. Ce petit bout-là. Voyez, que les petits bouts. Mais c'est pas grave. Je prends, je suis preneuse. Et les petits bouts comme ça, généralement, ils vous les font pas payer. Je vais trouver celui-là. Voyez. Celui-ci. Quand il y a des petits bouts, je les prends. Puis ça sert toujours hein, pour nous. Hein. Voilà. Il est trop joli. Hein. J'aime bien celui-là. Vous mettez ça, tous les mêmes petits bouts sur une bobinette. Et puis le tout est joué. Vous avez de la dentelle. Regardez. Bon, il y a juste là qui est. Attendez. J'ai vu qu'il y avait un petit truc, non? Ouais, juste là, mais c'est pas grave. Hop. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Je trouvais celui-là aussi, qui est différent. Bon, on peut toujours faire une petite décoration. Ça sert toujours. Celui-ci. Voilà. Et j'ai trouvé bah, le même. Vous voyez, j'en ai trouvé pas mal du même bout. Ah. Focus, please. Ah, ben écoute rien ce machin-là. Je plaisante. Regardez. Voilà. Et ben voilà. Bon, ben, je suis allée vite fait, mais je suis très contente de mes petites trouvailles. Et je suis très contente d'avoir trouvé ça. C'est moi qui vous le dis. Parce qu'avec ça, regardez. Par exemple, j'en découpe un petit bout. Alors, hop, on va pas le découper n'importe comment. Voilà. Par exemple, si je veux pas tout, là, je récupère la petite fleur. Donc, vous faites ça. Ça peut être très joli, ça peut être sympa. Regardez. Après, vous la découpez comme il faut. Hein. Regardez comme c'est joli. Sur une déco. Faites ça. Vous pouvez même la faire en guise de fleur sur un petit truc. Hein. Par exemple, ma petite bobinette là. Si j'ai envie de la mettre là. Vous voyez, je la mets là. Puis je remets un petit truc par-dessus. Et puis ça fait une petite déco. Donc ça, j'ai bien aimé. Voilà. Et avec les petites feuilles, ben, vous pouvez vous en servir aussi. Donc vous faites ça. Vous découpez. Comme ça. Puis vous pouvez teinter votre tissu aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça, vous pouvez le teinter. Vous voyez? Petit bout là, il faut les garder. Vous prenez ça. Puis vous pouvez le mettre sur une autre fleur. Par exemple, je vais prendre n'importe quelle fleur. Hein. Là, vous avez une petite fleur comme ça. Hop, vous la mettez comme ça. Et regardez, déjà, vous la collez comme ça et comme ça. Oh, focus, please. Ouh. Voilà. Et ça vous fait ça. Vous voyez? Ça fait plus joli que ça. Regardez. Voilà. Donc, il faut les garder. Vous voyez? Moi, je pense que je vais m'amuser à découper et puis tout garder comme ça. Avec les petites fleurs, les petites fleurs, les petits trucs comme ça, avec les petits trucs comme ça. Je crois bien que c'est pas mal pour faire ça. Je pense que je vais mettre ça dans une petite boîte. Je vais m'amuser à marquer. Et là, j'ai bien envie de découper tout le long. Tout le long là. Hop, comme ça fera de la dentelle comme ça. Voyez? Donc après, faut prendre un petit peu de temps et puis. Et avec des petits bouts comme ça, on peut faire des petites choses aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, les petites fleurs, vous les découpez avec les petites feuilles. Ça peut être sympa. Ou sur une déco. Mais bon,
Je verrai bien. Je pense que je vais garder la moitié, que je vais faire comme ça, puis l'autre que je garderai. Puis si je trouve rien à faire avec, et ben hop, je ferai autrement. Voilà, alors, on trouve toujours moyen à faire quelque chose de détourné des objets. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, mes petites abonnées, je vous fais des énormes gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Charlie Scrap. Bisous, 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 bisous.